Eh bien, yo tout le monde, c'est Darkshadow145. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 de notre espèce de Banjo-Touille. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc, on est toujours dans le lagon du Joyeux Roger. Donc, on va acheter le jet-ski parce que j'ai trouvé 4 pièces de trésor au fond du, au fond du lac. Juste devant, là. Il y en avait au bout. On va acheter un jet-ski. Moussaillon, ça vous dit le dernier bien du Capitaine Blubbers pour seulement un doublon? Ça vous dit mon dernier bien pour seulement un doublon? Oui. T'as un bon petit Banjo. Jetez un coup d'œil dans cette caisse. Merci les moussaillons. Je vais te se passer le joyeux pour la nuit spéciale quiz. Il y aura 100 doublons de l'eau. Si je gagne, je me paye un nouveau hors-bord. J'espère que tu gagneras parce que je t'aime bien, toi. Ah ouais, en fait, il me donne ça, ok. Là... Et ben mince. C'est trop style. Bon, on a eu un Jinjo. On va pouvoir retourner dans les profondeurs. Allez. Plus on a illimité. Je me demande quand même si on peut... si on peut nager avec juste avec Katsu, quoi. Et on va aller par là, cette fois. Oh putain, c'est quoi ça? Oh oh. Je le sens pas. Toi? T'es qui toi? On va peut-être lui parler. Hein. Non, il fait mal. Ah oui, c'est un ennemi, il faut essayer de passer quoi. Mais il doit servir à quelque chose quand même. C'est impossible de passer sans se prendre de dégâts. Putain, je vais crever, je crois. Non, c'est bon. C'était pas loin. Atlantis. Attendez, je regarde autour de moi. Là-bas, il y a... Oh, la clé de sol, ça doit faut 20, ça. J'aime bien en finir avant. Easy. Ah, je l'ai eu. Ah ouais, quand même, il fait ça, après. Il a jeté un truc, enfin il a jeté une vie. Enfin pas une vie, une level. Je crois que j'ai une idée de ce qu'on peut faire. Avec les, ces statues là. C'est pas le signe Oméga, Alpha ou Beta, je sais plus. Je crois que c'est un signe dans le champ. Oh non! Je pense que je vais mourir, pas de secret.
téléporteur. Il faut au moins qu'on aille chercher le téléporteur, d'accord? C'est un vrai... Oh, regardez, je la vois, l'alvéole, là-bas. Oui. Voilà ça, quand on va avoir un truc supplémentaire. Bah, les petites notes. Pour aller là. Ça m'inspire pas confiance, on dira. Pas le choix. La clé de sol. Là, c'est franchement pas en sécurité avec ce machin qui explose là. Remettre avant, on pas le risque. On a toutes les notes, c'est bon. Comme ça, voilà. Le bon œuf. Bah ouais. Vous croyez qu'il faut faire dans l'ordre selon les lettres latines ou grecques, Ok, bah c'est mal, je suis mal barré. Bon, ça c'est pas assez alpha, je crois. Je suis vraiment nul, donc n'étonnez pas si voilà. Mais non, c'était pas ça. Bon bref, c'était bien alpha, je crois. Alors bêta, ça c'est quoi là? Non, bêta, ça doit être le triangle. Est-ce qu'il y a, je connais, il y a alpha, oméga, il y a un autre là, zeta, tout dans le genre. Alors, attendez, faut peut-être refaire du coup, faut peut-être refaire l'autre. Mais ça, il me semble que c'est oméga. Oméga, ça signifie pas W. Donc techniquement, si ça signifie W, c'est pas ça qu'il faut mettre maintenant. Bah si, bah c'était oméga. Mais alors si ça se trouve, je me suis trompé, c'est pas oméga. Hein. Si ça se trouve, ça c'est même pas alpha, donc. Donc là, y a pas de doute. Mais waouh. Ouais, je t'ai déjà testé. Pff, ok. Très bien. Bon. Je vais peut-être pas tirer sur le bon. Qu'est-ce que ça va faire? Quoi? C'était ce qui restait, tu pouvais ma gueule!
comprends pas. Bon. Reste plus qu'une solution, alors du coup ce serait de refaire celle-là, sinon on a tout essayé. Ok, très bien. Et toi du coup? Il doit y avoir marqué Lord quelque part. Ouais, il doit y avoir Lord peut-être au plafond, je sais pas. Oh oh. On ne voit pas de toute façon. Bon, déjà, on avance progressivement au pire. Hein. Je me demande à quoi ça sert là, quand même. Bon, d'accord, faut refaire deux fois l'autre alors. Ah ok, ah oui mais... Oh putain. Et alors juste là, sérieux. Là on peut rentrer dans l'Atlantis. C'est très bien. Bah dis donc. Je pense qu'on avait juste à... on va se faire buter. Encore je préfère me faire buter et récupérer toute ma vie. Hein. Vas-y tue-moi. Ouais mais en fait il ne tue pas tellement. Mais vas-y mais tue-moi s'il te plaît. Merci. Comme ça au moins on récupère toute notre vie et on va à l'Atlantis tranquillement. D'ailleurs ils ont enlevé les vies. Je viens de remarquer. Ils ont enlevé les systèmes de vie. Donc le téléporteur. Je crois qu'on va rentrer dans la plus grande partie de ce monde. L'Atlantis avec le petit cochon. Mais il y a plusieurs entrées aussi. On ira voir ça. L'Atlantis, ce serait une cité perdue au fond de la mer. Hein. Mais ça, c'est le temple des poissons. Faut pas confondre. Oh là. On va aller là-haut. Mais ça m'inspire pas confiance. Oh, cochon. Bonjour. Oh, salut, je m'appelle Chris. Chris, ça fait pas trop cochon, si tu veux mon opinion. En fait, je m'appelle Chris P. Bacon.
Oh, je vois. Et qu'est-ce que tu fais, monsieur Bacon? Je suis en vacances pour photographier les œuvres d'art sur les murs par là-bas. Ça a vraiment l'air passionnant. Ça l'est, mais ces terribles poissons m'attaquent sans arrêt. Pourquoi ne pas prendre un harpon? Cet appareil photo caméra était bien trop cher. Je n'ai plus de doublon. Pourriez me protéger tant que je suis là-dessous? Bien. Si seulement vous pouviez me suivre jusqu'au fond. J'espère que vous êtes prêts. Les voilà. Où ça? Ah ouais, d'accord. Mais c'est grave galère. Comment tu veux Honnêtement, je crois pas que je vais y arriver. Bon, essayez, on va réessayer, mais non, on va pas dessus jusqu'au fond, on va rester tout en bas. On va voir ce que ça peut donner. Oui, c'est super dur. Non, j'arrive pas à viser au-dessus. Sinon, la technique est bonne, mais j'arrivais pas bien me placer là, tu vois. Tout ce qui est visé, vous avez vu, je suis vraiment pourri par contre, hein. Vas-y, mais c'est quoi ce jeu à la con? Ça me saoule là. On va se placer là. Allez. On va bien voir. Vas-y, non, laisse moi, laisse tomber, casse-toi. Non, ta gueule, je veux plus parler. C'est bon, cette pièce, voilà, elle est presque. Enfin, moi, j'y arrive pas. Il y en a pour qui ça va être super facile, mais moi, non. Putain. Je m'en fous, les murs, tu les fonctionneras à toi-même. Hein. Nous on vient de là-bas, du trou dans le mur. Je crois. Allez, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Oh non, lâche-moi par contre. Hein.
Non! Putain. Aïe. C'est sérieux là? Ça fait mal ce machin. Bon, je pense qu'on doit les cramer. Hein. Oh non, on doit les éliminer. Ça va peut-être faire venir mes gags. On sera pas content. Putain, mais. Ça lui passe à travers, j'y crois pas. Que ça ressuscite et machin, donc enfin, en compte ça sert un peu à rien. Ok, quoi, mais je te touche, bordel. Pas possible. Ah là là. J'entends le Jinjo. On ira là ou après. Attends. Attends, là forcément. Ouais. Bon, on s'en bat les couilles. Pardon. Ok, c'est la même chose. Ça va être juste pour un Jinjo, ça. Surtout que je suppose que c'est un faux. Oh non! Je crois qu'il y en a un qui bouge là. Putain, il se croit où, mais... C'est un fou alors là. Pas intérêt hein. C'est bien ce cas. Qu'est-ce qu'on a là? Fond marin. Oh non. En fait, j'aime pas trop ce monde là. Encore au-dessus, ouais, c'était cool. Ah ouais, mais non, mais c'est quoi ça, sérieux? Et tu... Il va nous exploser, ce machin! Parce que j'ai gentil. Ouais, bon, tu veux quoi, alors, si t'es pas... si je peux pas te tuer? Je pense qu'on prend des dégâts en touchant, alors bon, on va les faire comme si t'étais pas là, au pire. Attendez. Non, je prends pas de dégâts, on doit pouvoir lui parler. Non. Heureusement. Et regardez, il a une NVL, lui. Comment on peut lui faire lâcher son trésor? Toi! Viens. Bon, là, notre priorité, c'est de lui parler.
si on peut pas te parler. En fait, tu sers à rien, quoi. De bien servir à quelque chose, quand même. Je veux juste... C'est de là où on vient ou pas? Ouais, c'est de là qu'on vient, mais attendez. Ouais, d'accord. Non, mais arrête de laguer. T'as vu qu'il y a un œuf de glace, il va le cracher sur le machin là. Bon, déjà, on va s'approcher. Je vois pas comment. Peut-être avec une autre technique. Il nous en manque une. Dans les Toto 7. Oh non. Mais sérieux. Qu'un endroit où je vais pouvoir me faire buter, c'est bien ça. Faut serrer le mur, vous croyez? Non, ça sert à rien. Faut passer vite en fait. Mais non! Arrête de me spam! C'est impossible de passer sans perdre la vie. Sérieusement. Il faudrait une... Si tu veux bien avoir un truc quand même pour le tuer, quoi. Ok. Toi là-bas. Tu pouvais péter, ce serait pas mal. GG. Non, on va aller prendre ça là-bas parce que hop. En fait, j'ai oublié de vous dire le monde que je déteste le plus dans le cas de Banjo-Kazooie. C'est la caverne de Clanker. On récupère des œufs. Mais arrête ça, putain! Je sais pas pourquoi, du moment où tout va très bien. Ouais, voilà. Alors, les œufs, ils étaient où? Ils étaient là-bas. Il y a un téléporteur aussi, qu'on va pas oublier. Qu'on va prendre maintenant, on sait jamais si on se fait buter. Bon, qu'ils arrêtent de me faire flipper eux. Oui, oui, j'ai compris. Donc, on va devoir... Ah, mais... Ah, laisse-moi. On va récupérer des œufs. Grenade. Non, pas glace. Thank you.
Non, mais pas glace. C'est pas grave. On va aller d'abord là-bas. Ah oui, avant. David Jones. Oh non, c'est le boss, putain. Oh non. Il va me défoncer. Il est moche en plus. Quoi, qui ose troubler leur boule, wafafak. Et alors qu'il dort tranquillement dans ce lieu extrêmement exigu. Oh, vous avez apporté votre courrier, Lord Fak. Non, ne me mentez pas. T'es sur le point de me voler ma pièce et d'assécher mon petit nid douillet. Me laissant agoniser au fond en attendant que je me dessèche et que je meure. Je me trompe. En gros, c'est ça. Dans ce cas... Mon antre sera votre tombeau. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On va réfléchir, d'accord? Et ensuite, on va l'attaquer. Oh non, ça va, on prend pas de dégâts. On va d'abord réfléchir, mais ensuite l'attaquer. Attends, il a jeté des machins. Bon, je pense qu'il faut lui jeter des sucronettes sur le truc qui est brillé. D'accord? Donc, on va viser. Non, c'était pas ça. Parce que je vais bien faire dessus là. On t'aurait commencé sans tout ça avec notre vie. Et tu lags. Bon. On va se poser tranquillement. Ça m'énerve. Les boss et moi en plus. Là, c'est un petit peu répétitif. J'espère que les prochains boss seront un peu différents parce que là c'est un peu répétitif, toujours jeter des œufs sur un endroit spécial et tout. Mais bon, c'est pas grave, allez. En fait, c'est surtout qu'il est dur à viser, je pense. Ouf. Wow. C'est dégueulasse, toi. S'il faut faire ça 6 fois, on est mal barré. Hein. J'arrive même pas à le toucher une fois. En fait, le truc il est tellement énorme qu'on peut pas le viser tranquillement. En fait, non, il est peut-être super petit, je sais pas. C'est peut-être l'inverse. Mets-toi face à moi, mec. S'il te plaît. Non, par contre, voilà. C'est impossible à toucher, c'est pas possible. Dans la musique, j'adore.
Comment on peut faire? On pourrait peut-être se rapprocher, je sais pas. On va essayer de se rapprocher plus de lui. Genre mais très très proche quoi. Aïe, ah oui c'est vrai. Oh, oh non. Putain mais c'est le bordel. Non, je l'ai touché. En plus, ça doit pas être le bon œuf. Œuf de glace, c'est le nouveau. Non, ça doit être des œufs grenades. Regardez, on peut avoir que ça. Peut-être pas dû le toucher finalement. Putain, j'étais sûr quand même d'avoir touché là. Ah oui, je la vois, j'ai vu la pièce. Elle est dans son machin. Toujours pas, mais presque. Oh non, je me suis fait toucher. Quand est-ce qu'on lui fera perdre au moins un machin? Et ensuite, dites-vous qu'il faut que je le fasse 6 fois. Hein. Faut que je le fasse 6 fois, je pense que la vidéo durera vraiment très longtemps. Donc voilà. On va aller rechercher des œufs. Allez, viens là. Moi j'ai une idée. Non, putain. Se mettre à la même hauteur que son machin, sa tête. Ça, ce sera plus facile de le viser, vous savez. Oh non, je l'ai même pas touché, vous allez me dire. Là, vous allez me dire que je l'ai pas touché. Si, je l'ai touché, bordel. Je vous promets. Je vous promets que je l'ai touché. J'étais sûr de l'avoir touché, c'est ça qui... Enfin, voilà, quoi. Ouf. On va pas le faire maintenant ce boss. J'ai regardé comment le battre. Parce que franchement je me disais mais c'est pas la bonne technique, c'est bon je comprends rien. J'ai regardé comment aller le battre sur internet, mais il laissait tomber. Enfin le truc c'est qu'il est... D'abord faut lui tirer sur 6 pustules, enfin voilà, c'est un truc que c'est le bordel. Je le ferai pas maintenant. Je pense que je le ferai en œuf un jour, je sais pas. Mais là non, c'est bon. Bon. Je vais profiter de cette musique parce qu'elle est. Vraiment super. Ça détend. Bon bref. On va aller à l'Atlantis. Parce qu'il nous manque une pièce de puzzle. Un mouvement. Non.
Non, mince. Pas genre rentrer là-dedans là. Bon alors, on va voir. Ah, on peut rentrer là-dedans, attendez, on va aller voir. Allez. Entre des anguilles électriques, seriously. Non, laissez-moi! Qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Allez. Ça va, je me donne une petite alvéole. Voilà, bah elle est là. Cool. Ça doit pas servir à autre chose après, je pense. Talon torpille. Z lance l'oiseau, telle une torpille dans l'eau. Stick directionnel pour se déplacer. Et A pour la vitesse. B pour annuler si besoin. Et de banjo et j'ai. Et voilà, on va tester. Ok, bon, après ce sera un petit peu galère. Oh, l'esquive date esquive. Non, en fait, non. Non, j'ai rien dit. Attendez. C'est trop marrant quand même parce que regardez, ça fait comme des hélices. C'est impossible par contre à diriger. Hein. Ouais. Je veux juste quand même essayer de m'entraîner un petit peu. Eh ben non, ça veut pas. C'est, je suis nul dans les trucs sous-marins, c'est pas possible. J'aimerais quand même avoir quelques pièces avant de quitter, mais je suis vraiment pressé de quitter ce monde. Hein. Mais on va se quitter ici, donc j'espère que cet épisode vous a plu quand même. Bon, moi, c'était pas mon épisode préféré, donc je pense que je vais essayer de trouver quelques pièces comme ça vite fait. En off parce que... Enfin non, pas off, je ferai dans l'épisode prochain. Donc voilà, donc à plus.